Bénédiction, nous saluons notre Seigneur Jésus. Je vous dis, c'est un autre grand jour lié encore. Tout d'abord, c'est un jour que nous toujours réunis pour nous capables d'étudier la parole de bon Dieu. Et également, un jour côté que nous avons dédié tout ça que nous avons fait à bon Dieu parce que c'est le sabbat, pas vrai? Monde qui est local, monde qui est en direct, nous avons un bon sabbat. Et aussi nous nous préparons pour la proclamation de la parole de Dieu. Et nous passons savoir que et nous allons parler à travers de une période d'évangélisation, une période d'étude étude biblique et qui basée sur la réforme sanitaire et aussi sur le message des trois anges parce que j'en connais l'important surtout dans jour que nous vivons là pour que le peuple bon Dieu a yo capable au courant de méthodes pour vivre, méthodes pour préparer également. Méthodes pour préparer ni physiquement ni spirituellement pour yo capable recevoir Jésus en tant que sauveur yo et rédempteur yo. Donc jodia encore c'est un autre grand jour lié côté que nous réunis ensemble pour nous capable étudier la parole de Dieu. Et nous préparons monde qui gagne plume prend plume sac par une plume courir chercher une plume et parce que nous pour aller partager la parole de Dieu ensemble là qu'on y a là et nous disons que pour capable préparer ou et souvent un cahier dans bon petit temps pour capable aller courir chercher un papier courir chercher un bagage quelconque parce que nous pour aller partager la parole de Dieu. Et parce que parole bon Dieu a son parole qui est important pour capable étudier li chaque jour parce que même gens que faut que nous manger pour nous capable vivre faut nous également nous besoin également pour capable nourrir nam nous spirituellement pour que nous capable et kembe koa kembe nam nous vivant parce que si et pas ça n'a mourir spirituellement et nous connaît partie physique là li lié avec partie spirituelle là. Donc si que et partie spirituelle a mouri et bien partie physique a mouri tout parce que c'est bon Dieu qui kembe tous les deux. Donc il est important pour que nous kembe ni partie spirituelle là ni partie physique là en forme pour bon Dieu capable continuer travailler avec nous. Ça nous dit pour ça frères et sœurs. Donc sans nous attendre nous pas débuter avec l'étude de la parole de Dieu et avant que nous commencer on coupe tête nous pour capable prier. Notre Père, notre Dieu, dans ce moment, nous demandons pour capable faire nous grâce. Fais nous grâce pour capable ouvrir les yeux nous. Bon nous esprit saint pour capable recevoir la bénédiction que vous voulez nous à travers ta parole. Vous voulez révéler à nous-mêmes. Et je dis à nous décider pour nous ouvrir que nous. S'il vous plaît, bon nous la plénitude de ton esprit saint pour que nous capable tendre, comprendre, obéir et devenir des agents pour nous-mêmes. Tendez prier nous au nom de Jésus nous prions. Amen. Et j'en ai toujours dit, nous avons parlé à travers de une série d'études et qui basée sur la réforme sanitaire et également l'esprit de la prophétie. Et c'est la servante du Seigneur qui fait nous connaître que la réforme sanitaire est liée avec le message du troisième ange d'après événement de dernier jour, page 65 et paragraphe 3. Jean-Claude Carrel est sur l'écran. Et également, faut nous étudier message ça parce que c'est situé dans qui livre, dans le livre Apocalypse. Donc, nous avons importance pour nous étudier le livre d'Apocalypse parce que c'est là que nous avons le message du troisième ange. D'après ça que nous toujours lié avant évangéliser, page 181 et paragraphe 4. Et quel que soit ça que nous avons étudié dans la Bible, nous avons faut que nous amener nous à l'Apocalypse parce que tout livre dans la Bible est lié avec qui ça? Avec le livre d'Apocalypse. Et qui est-ce qui livre qui compagne le livre Apocalypse ça? C'est le livre de Daniel, d'après ça qui se écrit nous, dans Conquérant Pacifique, page 520 et paragraphe 2. Et le livre d'Apocalypse, Jean-Claude fait nous connaître, ce livre qui fut scellé n'est pas l'Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se rapporte au dernier jour. Et nous vivons dans le dernier jour, ça y est actuellement là. Et d'après, surtout d'après 2 Timothée 3, versets 1 à 5, nous serons preuve que nous vivons dans les derniers jours. Ouvrez-nous nous avec, en nous lisant ça. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, pour nous capables assurer nous que nous vivons vraiment dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée 3, les versets 1 à 5,
pour nous assurer nous vraiment que nous allons vivre à la fin de l'histoire de cette terre. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Timothée dit, sache-le donc que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que le temps va être difficile, frères et sœurs? Est-ce que le temps n'est pas difficile? Il y aura des temps difficiles quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Pas vrai? Tout le jour, je dis à tout le monde, il y a battu pour faire comme. Tout le monde a tué les parents pour faire comme. Les parents ont tué tout le monde pour faire comme. Donc, tout le monde a battu pour faire l'argent. Et ensuite, on continue toujours. Il dit, yo égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qui ça dit pour faire? Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire que, surtout dans verset 5, là, bon Dieu fait nous connaître que, il y a un pile monde qui est dans l'église, il prend pause que ces petits bon Dieu, il prend pause que il a marché avec bon Dieu, mais c'est un non seulement un poté. Ça me dit quoi seulement? Il y a non seulement un poté. Donc, pour ça, bon Dieu dit nous, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, et si leader dans l'église, il y a une condition, ça pour faire avec eux. Éloigne-toi de ces hommes-là. D'ailleurs, si tête la malade, ça passe reste quoi? La malade tout. Et nous, lis ça dans Témoignage pour l'Église, volume 5, en anglais, c'est dans la version anglaise là, plutôt, dans Testimony for the Church, volume 5, page 443, il dit 9 dixièmes de maladie, yo commence à côté, dans mental nous, dans l'esprit nous. Donc, si même j'ai dans spirituel, pour ça, dans physique tout. Donc, même j'ai dans physique là, pour ça, dans spirituel là également. Si tête la malade, eh bien, corps a malade également. Donc, actuellement, là, je fais établir une base, la fondation message là. Si tête l'église est malade, reste quoi malade? Et maladie est contagieuse. Lorsque il y a une maladie contagieuse, ça vous fait? Ça vous fait? Vous mettez en quarantaine. Ou bien, vous mettez là, vous mettez en quarantaine pour reste, vous n'y a pas contaminé. Et nous parlons ça. Parce que nous vivons au dernier jour, l'église, bon Dieu, surtout, moun ki pote non l'église de Dieu a li contaminé. Gen des positions pour nous prendre en casse. On poursuivre frères et sœurs. Et d'ailleurs, nous allons aller à travers les sept églises. Nous voyons que jusqu'à présent, nous allons aller à travers une série qui c'est les sept églises de l'Asie mineure, sept églises de l'Apocalypse. Dans moun ka di ça c'est sept églises dans très longtemps. Yo pas important pour nous. Oui, yo important pour nous. D'ailleurs, nous lisons Romains 15, le verset 4 qui ça dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? L'espérance. Et texte compagnon qui vient avec verset ça, c'est 1 Corinthiens 10, le verset 11, mes frères et sœurs. Tout ce qui leur était arrivé nous servit d'exemple. Et tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Très important, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que nous allons aller à travers les églises de l'Asie mineure, qui c'est Éphèse. Nous commençons dans Éphèse déjà. Nous sommes Éphèse, nous sommes Smyrne, nous sommes Pergame, nous sommes Thyatire. Et actuellement, nous sommes Sardes. Et nous avons avant dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, qui dit comme ça que les noms des sept églises symbolisent quoi? L'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Ça veut dire que nous avons un caractère chaque grande église ça, en dans l'église, bon Dieu, qui vive à la fin des siècles. Partie maintenant, il dit, le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes périodes ou différentes époques de l'histoire du monde, mes frères et sœurs. Nous vivons fait histoire du monde. Donc, tout ça qui est passé dans l'Église, c'est important pour nous vivre, pour nous-mêmes qui vivons à la fin de l'histoire de ce monde, mes frères et sœurs. Donc, nous avons étudié toute l'Église, ça, nous avons étudié l'Église de Thyatire. Et nous te voyons que l'église qui suit l'église de Thyatire, c'est l'église de Sardes. Nous te voyons comment bon Dieu te présente à l'église de Sardes, celui qui a les sept esprits, pas vrai, les sept étoiles. Nous te voyons que ça veut dire déjà, nous pas couvrir encore, monde qui pas songer, à regarder message que nous te prêcher avant eux.
ou mettre aller sur website nous, aller sur YouTube channel, chercher et puis n'appoué YouTube channel nous relé messager de la vérité, messager de vérité, ou joindre tout message ça yo, à regarder encore. Et nous te dernier message que nous te le temps de la fin qui commence qu'il est depuis 1798. Et nous te prouvons ça parce que dans période ça qui c'est le temps de la fin, il dit que ça que gagne une entité qui pourrait blasphémer contre le Très-Haut, la persécuter les saints, pas vrai? Et puis entité ça nous dit que c'est la papauté, parce que c'est la papauté qui te persécute ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et le témoignage de Jésus. D'ailleurs, Apocalypse 12 verset 17, il dit que c'est moun qui gagne caractéristique ça qui relait les saints. Pas vrai? Apocalypse 12 verset 17, en plus nous contexte ça, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et Apocalypse 19 verset 10, il dit le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie. Donc l'église ça qui c'est l'église de Dieu à la fin des siècles, c'est l'église qui garde les 10 commandements de Dieu et puis il y a l'esprit de la prophétie. Oh frères et sœurs, tout point ça c'est que nous connaissons. Donc l'important pour que nous capables comprendre temps de la fin, hein, ça qui a passé dans temps ça et puis on se nous va prêcher message ça. Et Jean te dit et moun que le bon Dieu t'a suscité pour prêcher message ça, message dans le temps de la fin, c'était qui est c'est William Miller et ses associés les Millerites. Bon Dieu t'a suscité pour te prêcher et le message dans temps de la fin, pas vrai? Ça ne dit ouais. Donc William Miller, il était bon Dieu t'a suscité pour qu'il prêche message bon Dieu dans temps de la fin. Et dans temps de la fin, il y a un rapport avec qui année encore 1798. Nous pas prêter en pile et nous ouais et vraiment dans trage des siècles page 476 la sainte histoire il prouvait ça côté que il y a une prophétie que bon Dieu t'a bail dans Apocalypse 13 plutôt Apocalypse chapitre 13 oui c'est ça Apocalypse 13 et la prophétie des 42 mois. On y savait même d'abord, parce que ma quoi que moi t'ai lu texte ça avec nous dernière fois que nous avons parlé sur le temps de la fin les 1260 années. On nous lit texte ça pour assurer nous que dans la Bible Apocalypse chapitre 13 et le verset premier parle de bête ça qui gagne 10 cornes et 7 têtes et bête ça nous dit que c'est la papauté, il était recevoir une blessure mortelle mais il était guéri. Et verset 5 là maintenant qui pourra confirmer les 42 mois, il dit, et il lui fut donné une bouche qui prospérait de quoi? Des paroles arrogantes et des paroles de blasphème. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? Pendant 42 mois. Et verset 7 l'a confirmé que, il fait la guerre au sein et il était vaincu. Qui entité fait ça? La papauté. On y sa l'histoire sacrée. Montrez-nous. Notre âge des siècles, page 476, paragraphe 1, il dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le prophète ajoute, l'une de ses têtes fut comme blessée à mort. D'après Apocalypse 13, verset 3, il fut comme blessé à mort. Et encore, si quelqu'un mène en captivité, il ira où en captivité? Apocalypse 13, maintenant, verset 10, il dit comme ça. Il continue pour le dire, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée, parti en rouge maintenant, les 42 mois, pas vrai? Les quoi? Les 42 mois, identiques à la période de un temps, des temps, et la moitié d'un temps, ça que nous avons dans Daniel 7, verset 25 surtout, Daniel 7, verset 25, et dans Daniel 12, verset 9, ok? Il dit comme ça que les 42 mois sont identiques à la période de un temps, des temps, et la moitié d'un temps, 3 années et demie, ou 1260 jours prophétiques. Donc c'est 3 années et demie prophétiques ou 1260 jours prophétiques. Et nous voyons ensemble que un jour dans la prophétie, il y a là une année qui vient s'en devant nous. Nombre 14 verset 34 et Ézéchiel 4 verset 6. Il dit comme ça que il dit jour ça nous voyons dans le livre Daniel et pendant lesquels la papauté devait opprimer le peuple de Dieu. Et parti en bleu maintenant, il dit cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère
que c'est terminé en 1798. C'est alors que le pape fut fait prisonnier par les troupes françaises et que la papauté reçut quoi? Une blessure mortelle. Dernière phrase. Ainsi s'accomplit cette prophétie. Si quelqu'un mène en captivité, il ira où? En captivité. C'est la prophétie. Donc l'église ça, qui dit prophétie ça, que la prêcher, qu'a prêché l'accomplissement des événements de la fin de l'histoire terrestre, c'est l'église adventiste du septième jour. Parce que toute prophétie ça, gens qui ont été annoncés, tout passé telles qu'elles sont écrites. Tout passé, frères et sœurs. Donc, l'important pour nous prêcher, parole ça, la parole prophétique, et nous voyons que à la fin de période ça, nous voyons que qu'on message qui est pour prêcher ça. Pour faire à la fin de période ça, à la fin de la période de la papauté, nous voyons que gagnons message qui gagne pour prêcher. Et message ça, frères et sœurs, l'été commencé à prêcher avec qui est-ce? Avec William Miller. William Miller qui était un déiste. Nous te voyons ça déjà. William Miller qui c'était un fermier. Il va même croire dans bon Dieu. Ou encore, il était un déiste. Il était quoi que bon Dieu existait, mais il va interférer dans les affaires de l'univers. C'est ça, un déiste. Donc, William Miller, frères et sœurs, William Miller, il était à prêcher message ça après que bon Dieu était fini convaincu de la vérité. Maintenant, on nous continue. Donc, puisque nous avons étudié période ça, le temps de la fin, eh bien, nous pourrons aujourd'hui, pendant que nous avons étudié Joseph, on me dit ça. Pendant que nous avons préparer message là, t'as réfléchi, est-ce que c'est pour m'ta préparer message ça, m'ta gen plan, bon dit ça plutôt. M'ta pas m'ta capable entrer dans Philadelphie journée aujourd'hui. Mais lorsque moi analyser ça encore moi que gon bagage, gon dernier bagage pour m'capable mentionner en sard. Moi que m'supposer même Jean William Miller t'ai prêché le début du jugement investigatif. Moi que nous supposons également prêcher la fin du jugement investigatif qui a abouti à qui ça à la fin de la période de probation de cette terre parce que nous dit ça qui ça me dit là même gens que William Miller il était supposé prêcher le début du jugement investigatif William et nous même journée aujourd'hui bon Dieu susciter l'église du reste l'église adventiste du septième jour pour prêcher la fin du jugement investigatif. Et même Jean, jugement a commencé avec une investigation, l'a fini avec un verdict. Et il y a des étapes en dans jugement investigatif là qui pour amener à cette fin de temps de probation. Donc, faut nous capables de prêcher message ça. Et le jugement investigatif qui commence dans qui année? En 1844, sur précisément le 22 octobre, dans la prophétie, nous jouons plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Depuis le décret qui parle pour la construction de Jérusalem jusqu'à ce que la papauté parle en captivité et ensuite date ça qui va mettre fin au jugement investigatif ou encore qui va mettre fin au 2300 soirs et matins prophétiques. Et lorsque le jugement investigatif a fini, ça va venir. C'est le retour de Jésus. C'est le retour de Jésus, pas vrai? Le retour de Jésus, c'est le salut. Maintenant, je dis à là, c'est important pour capable étudier le plan, les étapes du plan du salut ensemble avec nous. À partir de messages que vous avez à l'église de Sardes. Parce que, dans l'église de Sardes, lorsque bon Dieu a parlé avec Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, il dit celui qui vaincra sera fait, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père qui est dans les cieux, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 5 surtout. Ça veut dire que bon Dieu a une récompense. La bay moun qui vainc le péché, le salut, et moun qui pas avec le péché qui était à gambade dans le péché moun sa y a recevoir la condamnation éternelle. Donc journée jodia on voulait voir ensemble avec nous le plan du salut parce que bon font analogie m'ta comprendre et le plus souvent m'konn pas avec moun qui travaille dans banque on dit comme ça que moun qui travaille dans banque yo pas étudier vieux l'argent yo fait étudier bon l'argent
pour les n'importe via vie qui côté yo yo reconnaît yo connaît pas bon donc yo pas et mettez confusion en tête yo yo étudier bon l'argent yo donc les faux à venir yo connaît le faux et c'est ça que fait nous poil et focus sur le plan du salut le ça le plan du salut pour nous les étapes qui amener au plan du salut étape qui amener nous à la victoire finale au péché et pour nous monter dans la Jésus et cette étape ça bon mentionner pour nous tout d'abord qui est-ce qui peut bon poser une question qui est-ce qui peut le salut pour nous qui est-ce qui nous le salut hein Jésus est-ce que nous quoi ça parce que moi depuis m'ta réfléchi moun qui en direct yo qui est-ce qui ben nous le salut frères et sœurs est-ce que nous quoi c'est Jésus OK moun pense que nous supposé quoi ça eh bien on nous assure que ça écrit dans Bible là à la fin dans Acte chapitre 4 frères et sœurs Acte chapitre 4 et le verset 12 Acte 4 verset 12 qui ça dit il dit il n'y a de salut en aucun autre qui ça dit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et qui est ce nom? Quel est ce nom? Qui nous lie? En lisant verset 10, frères et sœurs, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est pour lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et maintenant, Jésus a, verset 11, il dit, Jésus est la pierre rejetée pour vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Donc, non Jésus, ou encore Jésus, à travers son ministère, c'est à travers lui-même que nous joignons le salut. Donc, lorsque nous avons étudié le plan du salut, il faut nous commencer avec le ministère de Jésus. Donc, et ça que fait, lorsque nous avons regardé la fin du jugement investigatif qui pourrait aboutir au salut, eh bien, il faut nous commencer par qui est-ce? Par Jésus. Et c'est ça que fait, dans le message que nous avons aujourd'hui, eh bien, nous parlons les sept étapes. Les quoi? Les sept étapes du plan du salut. Donc, comme nous commençons par Jésus, il faut nous commencer qui est? Par la naissance de Jésus. Pourquoi? Par la naissance de Jésus. Donc, première étape là, c'est la naissance de Jésus. Deuxième étape là, c'est le baptême de Jésus. M'a dit yo, et je dis à m'a fait effort m'a kibé nous long. Et depuis moi, l'heure marché, n'est pas côté mouille, m'a campé. Je promets nous ça, m'a campé. Première étape là, c'est la naissance de Jésus. Deuxième étape là, c'est le baptême de Jésus. Troisième étape là, c'est qui s'allie? C'est la crucifixion de Jésus. Quatrième étape là, maintenant, c'est son ministère, sa résurrection plutôt. Nous voyons que, première étape là, c'est la naissance de Jésus, en nous assurant que nous ne pas bouiller. La naissance de Jésus. Ensuite, nous gagnons le baptême de Jésus. Ensuite, nous gagnons la crucifixion de Jésus. Après ça, quatrième, c'est la résurrection de Jésus. Cinquième, son ministère dans le lieu saint. Sixième, son ministère dans le lieu très saint. Et septième étape là, c'est la fin du temps de grâce. Ah, attention. Bien dit, la fin du temps de grâce. Ou encore, nous relèvons la fin du temps de probation. Parce que depuis là, ça finit, go parole qu'a répété. Moun qui juste, y a juste encore. Moun qui est méchant, y a plus méchant toujours. N'a besoin de ça dans Apocalypse chapitre 22 et puis le verset 11. Donc, le ça, verdict là a prononcé pour tout le monde et ça fait que nous camper là, le plan du salut. Depuis le temps de probation a fini, verdict là a prononcé. Fini. Donc nous camper là. Maintenant, nous pas ouais les circonstances qui étaient environnées la naissance de Jésus pour nous application dans la vie nous aujourd'hui. Parce que Jean que nous lit dans Romains 15 verset 4, tout ça qui est écrit d'avance écrit pour qui ça? Pour notre instruction. Donc nous pas les circonstances qui environnaient la naissance de Jésus et puis nous fait application dans la vie nous aujourd'hui. La naissance de Jésus, tout d'abord, on arrive dans Luc chapitre 2, mes frères et sœurs. Luc chapitre 2, pour nous garder les circonstances qui étaient environnées, la naissance de Jésus, surtout lorsque bon Dieu a un message, ça, le message de sa naissance, ou encore lorsque Dieu le Père était envoyé en Dieu, puis un message de la naissance de Jésus, qui est-ce qui te reçoit ce message-là? Est-ce que c'est les grands rabbins?
les savants de l'époque, les philosophes, les grands de ce monde, en garde pour nous, qui est-ce qui te recevra un message ça? Avant que nous allions, c'était le simple berger. On garde ça. Luc chapitre 2, frères et sœurs. Et le verset 8, qui ça dit? Il dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Ça veut dire que fait? Ils étaient dans les champs pendant la nuit, ils étaient à garder leur troupeau. Donc, frères et sœurs, nous supposons analyser ça. Pour qui ça, bon Dieu, li a le message à des bergers et non aux grands de son peuple? Pour qui il y a un pile prêtre dans le temple, un pile prêtre à Jérusalem? Pour qui ça sert à de simples bergers? Li a le message ça. Et est-ce que le berger a été reçu un message ça? Li a le message là, verset 9. Il dit, et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Son bonne nouvelle guidée. Pour que ça bonne nouvelle ça? Pour que ça séparait grand de cette époque? Pour que ça sert à de simples bergers? De la même dit des ignorants de l'époque. Monde qui soit dit ça pas de gros connaissance, pas dans gros l'école. Pour que ça c'est eux même. On continue li. Li dit, et une bonne nouvelle ça l'a sujet de yon, joie pour tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est quoi? Il vous en est qui? Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et puis li ba aussi, comme y a connu les, voici le signe. Ici, vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Mais, tu es un pile prêtre. Un pile prêtre dans le pays qui a fait gros et qui a fait sacrifice. C'est même qui a intercédé pour le peuple, soi-disant intercédé. Mais bon, je parle de un message là. C'est à le saint berger. Est-ce que nous j'aime poser nos questions ça? Pour que ça c'est à le saint berger. Que bon Dieu a le poté message là, que l'ange du Seigneur lui a le message là, mais non au leader du peuple. Parce que tout le monde qui a cherché ou joué, c'est parce que prêtre ça, il n'est pas préparé pour recevoir message ça. D'ailleurs, bon Dieu n'a pas même considéré le peuple à être un berger. Malheureusement. Le peuple a gagné des bergers, soi-disant, oui, mais devant bon Dieu, il n'a pas un berger. On lit ça dans Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, le verset 35. Verset 36. Qui ça le dit? Verset 36, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion, Jésus. Si nous commençons dans verset 35, il mentionne Jésus qui t'a parcouru les villes et les villages. Verset 36, maintenant, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça veut dire que devant bon Dieu, eh bien, peuple n'a pas gagné des bergers vraiment. Berger pas faire travail. Donc, puisque berger pas faire travail, bon Dieu pas trouvé vraiment te gagné des bergers spirituels pour aller bail message là. Et il était obligé de chercher des bergers littéraux et ignorants aux yeux du peuple pour aller bail message là, mes frères et sœurs. Donc, nous même je dis, ou encore si bon leader capte de là. Dans qui groupe ou yé? Si bon Dieu a ba un message une jodia, est-ce que prépare ou pour tande l? En direct, moun ki en direct yo, si son leader ou yé, est-ce que prépare ou pour recevoir message que bon Dieu t'a remis bon à son peuple? Et femme dit nous que à cette période, les dirigeants ont approché des messages, mais ces messages n'étaient pas inspirés par Dieu. Si vous êtes inspiré par Dieu, pourquoi est-ce que vous êtes inspiré? Bah, besoin de dire, bon, gardez le par le diable. Ça veut dire que pile leader, qui a prêché par le peuple là, qui a offert des messages, et messages ça yo, yo pas inspiré par Dieu. D'ailleurs, la Bible dit bien, dans 2 Timothée 4, il dit comme ça que, moun yo pas nommé des docteurs suivant des désir yo. 2 Timothée 4, il parle ça. Dans verset 1 jusqu'à verset 4, nous. Verset 1, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger
les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, et favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Tenez verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, les grands docteurs de ce monde. Docteurs en théologie, docteurs en philosophie, yo fait docteur en divinité. Comme quoi on maîtrise la divinité. Ils se nommeront une foule de docteurs selon quoi? Selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité présente. Moun sa yo pa prêcher vérité qui est important pour ton vivre là, mais yo prêcher vérité selon tête pa yo. On continue, il dit, selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ça fait que, il n'est pas trop bon, frères et sœurs, pour étudier des fables. Et ça me dit, il est littéral, oui. Il est littéral en même temps, il est spirituel également. Les doctrines des philosophes de notre temps, il n'est pas important, il n'est pas bon pour étudier. Il y a un jour, je suis capable de faire une étude sur ça, une présentation sur ça, sur le livre que le peuple bon Dieu t'a supposé lire. Parce que deux livres, parents n'ont pas acheté des petits pour le livre, je dis, livre ça, il n'y a pas de mener vers la vérité. On continue à lire. Verset 4. Ok, il a détourné, il a tourné vers les fables. Verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ça veut dire que, bon Dieu, il y a un groupe de monde qui l'a suscité à cette époque. Groupe de monde, ça a. Au lieu que yo vinn des éminents pasteurs, yo va vinn de simples évangélistes. Et puis yo prêcher message bon Dieu a Jean li nan Bible la nan parole bon Dieu et dans l'esprit de la prophétie. Mba konn nan ki groupe ou même leader jounen jodi a, est-ce qu'on prêcher la vérité telle qu'elle dans la Bible sans pas chercher de série de interprétations philosophiques pour amener à la vérité pour prêcher au peuple de Dieu. Ou nan ki groupe. On continue. Nous voyons que, malheureusement, pendant que Jésus pour aller fête, message bon Dieu, il n'y a pas de cas, bail aux pharisiens de l'époque, aux sadducéens, aux scribes, mais à de simples bergers, mes frères et sœurs. C'était une tristesse. On regarde ça, nous lit dans Travail des siècles, page 338. Page 338. Qui ça dit, paragraphe 2, il dit les anges qui avait contemplé la gloire du Fils de Dieu auprès du Père avant que le monde fût, attendait avec émotion l'apparition sur la terre de l'événement qui devait être pour tout le peuple le sujet d'une joie immense. Événement, ça t'a supposé une joie pour le peuple là. D'ailleurs, en je t'ai dit, berger, ça dans le chapitre 2, après nous fait que celui-là. La parole, c'est une bonne nouvelle qui a fait que tout le monde capte l'eau, il a rempli de joie. On continue, il dit, une cohorte angélique fut envoyée pour emporter l'heureuse nouvelle à ceux qui étaient préparés à la recevoir et à la faire connaître aux habitants de la terre. Ça veut dire que t'es guillon groupe de monde qui t'es supposé préparer pour recevoir la nouvelle là. Ça va préparer pour recevoir la nouvelle là. Si vous pas préparé, vous pas jouer une nouvelle là. Je n'ai juste un petit groupe où il est. Et ce premier groupe qui préparé pour recevoir la nouvelle de la fin du jugement, de la fin de cette période de probation pour que vous ayez une mode de nouvelles là, ou bien parmi les gens qui ignorent alors que vous êtes à l'âme de l'église là. Dans qui vous pouvez, mes frères et sœurs. Partie en bleu, il dit, les anges désiraient qu'en son humiliation, le fils du Très-Haut fit son entrée au sein de la famille humaine avec la dignité et la gloire due à son rang. Mais ça s'est passé, on continue. Page 339 maintenant. Tragédie des siècles, page 339, paragraphe 1, il dit l'un d'eux, s'il dit l'un d'eux qui est-ce? Des anges. L'un d'eux parcourt la terre pour voir si elle se prépare à accueillir le Sauveur. Mais il ne voit rien et n'entend aucun chant de triomphe annoncer que le temps du Messie est enfin arrivé. Oh, malheureusement.
Alors que le peuple avait la prophétie. Ça, vous avez la prophétie. Et nous avons ça. Vous avez gagné Daniel. Les écrits du prophète Daniel. Daniel 9, verset 24 à 27. Qui confirmait la venue du Messie, la naissance, son baptême, sa mort même. Ça veut dire que ces hommes-là, ils n'ont pas étudié la prophétie. Ou encore, si ils ont appelé pour capable satisfaire propre désir charnel. Bien dit. Ils n'ont pas étudié, mais ils ont étudié pour satisfaire leur propre désir charnel. Pourquoi ça me dit ça? Parce que dans Matthieu 2, Hérode, lui a demandé les gens du Sanhédrin, les rabbins, les pharisiens, si ils ont connaissance de Messie qui est pour venir, ils disent oui, ils ont connaissance. Et puis ils ont récité, ou encore ils ont mentionné, ils ont référé aux paroles de Michée. Michée 5, verset 8. Il a référé aux paroles de Michée, mais il n'y a pas de mot dit. Ça veut dire que ces dirigeants, ou encore ces leaders religieux, ils étaient même déjà avec le diable. Parce que, ça fait nous dire ça. Le diable, lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, dans Luc 4, dans Matthieu 4, le diable, il voulait lui réciter les paroles de la Bible par Jésus. Il restait Somme 91, mais il n'y a pas de dit. Donc, ces leaders, sous l'emprise de Satan, ils ont dit morceau parole, ils ont quitté morceau. Donc, leader, quatrième là, si nous avons le peuple à toute vérité à Jean Lia, nous en bas emprise Satan. En bas emprise qui est souillé? Satan, mon Dieu. Qui joue la vérité à? Ou bien il manque morceau, ou bien on va toute vérité à Jean Lia. Le diable, il fait de même à Jésus. Les pharisiens, du Seigneur, les scribes, ils font de même au roi et Word. Dans qui coin je ne joue pas. Est-ce qu'on sont pharisiens modernes, on saducéen moderne, on scribe moderne, ou bien, ou c'est tant que ces simples bergers qui te préparé pour recevoir un message là et qui pourra le prêcher, Jean, ils te recevront là. Dans qui goupille. On continue li, pour nous, en Jean, pendant un jour, ils viennent un message là. Mais malheureusement, côté où tu as un message à te préparer, qui côté où tu es passé? Il dit, mais il ne voit rien et n'entend aucun chant de triomphe annoncer que le temps du Messie est enfin arrivé. Il s'attarde sur la sainte cité et s'arrête un instant. La sainte cité, c'est quoi la sainte cité? C'est Jérusalem, pas vrai? Sur la sainte cité et s'arrête un instant au-dessus du temple où durant des siècles, Dieu a manifesté sa présence. Mais là aussi, maintenant tu as plein, oui, là aussi, règne la même indifférence. Et ça fait des liens avant. Dans 2 Timothée 3, verset 5, il dit en pile monde, yo gen l'apparence de la piété, mais yo renie ce qui en fait la force. Moun sa yo gen apparence de la piété, yo en dedans plan, yo prend pause que yo a fait les services de Dieu, mais yo renie celui qui en fait la force. Et qui est-ce qui donne la force? C'est Dieu. Philippiens 4, verset 13, ça dit. Il dit, c'est, je puis tout par celui qui me fortifie. Et qui est fortifié? Nous, c'est mon Dieu. Et moi, mais anglais à King James, qui dit, I can do all things through Christ who strengthens me. Anglais, il précise, il dit, c'est le Christ qui force nous. Bon Dieu qui force nous, même. Nous comprenons ça, fait un peu de fois, nous avons avec lui second. Parce que nous comprenons ça qu'on y a. Malheureusement. On continue à lire. Les bâtis foncés maintenant. Les dit dans leur pompe orgueilleuse, les sacrificateurs offrent de vains sacrifices. Oh! Je ne j'ai dit à, guéant plus mon café des prières dans l'église, mais sont des prières vaines, mes frères et sœurs. Prières vaines. Les dit, les pharisiens adressent au peuple des discours sonores. Il y a prêché, oui? Et ça a prêché. Des discours sonores où répètent au coin des rues de prétentieuses prières. Ni dans les palais des rois, ni dans les cénacles des philosophes, ni dans les écoles des rabbins, université Okoud, Andrews, PUC, même dans l'université Adventiste d'Haïti. Nous devons appliquer la journée aujourd'hui. Ni dans les écoles des rabbins, on ne se préoccupe de l'événement salué dans les parvis célestes par des symphonies d'allégresse. Malheureusement. Message ça, bon Dieu bali pour raisonner avec force, mais malheureusement, moun qui te prétend yo c'est leader bon Dieu à l'époque, yo c'est leader religieux peuple là, il va la prêcher message là. Maintenant les écoles des rabbins, l'école des rabbins,
qui l'école des jeunes aujourd'hui, l'école qui a formé pasteur. Nous connaissons. Nous sommes dit quelque pour nous là. Dans l'école ça yo, est-ce que l'école ça yo, yo enseigne la vérité présente? Est-ce que l'école ça yo enseigne le message du sanctuaire? Est-ce que le message ça yo a annoncé la fin du jugement investigatif? Je dis à, nous sommes capables d'agiter nous pour nous connaître. Est-ce que dans la congrégation nous y a, est-ce que y a prêché la vérité présente, mes frères et sœurs? Et nous lisons ça dans premiers écrits, page 63, nous sommes à Lille pour nous voir qui vérité présente. Li gen le sanctuaire, li gen les 2003 soir et matin, li gen les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ça que pasteur supposé prêcher pour capable unir le troupeau de Dieu. Mes frères et sœurs, malheureusement, nous pas fait l'eau. Nous n'avons pas fait travail ça. Nous pas prêché message ça. La vérité présente. Je ne j'ai dit à réfléchir. Congrégation que voilà dans là, est-ce que a prêché la vérité présente? Parce que à cette période, la première venue de Jésus, sa naissance était la vérité présente de l'époque. Je ne j'ai dit à vérité présente, c'est pour prêcher la fin, la mort de la bête d'abord, la mort de la bête, la fin du jugement investigatif. Est-ce que a prêché message ça, frères et sœurs? Oh. On continue lui toujours, frères et sœurs. Pour nous, tristesse qui dégaine dans la période ça. Cette tristesse. Tragédie, c'est toujours. Page 339, paragraphe 2. Parce que faut nous lire. J'aime toujours dire, le peuple adventiste, il était le peuple du livre. Mais je ne j'ai dit, le peuple a tellement vin ignorant qu'on a tombé vin converti pour y avoir dans l'autre dénomination qu'on a. Nous sommes plus le peuple du livre. Ma contre, qui ça nous y est qu'on a? Ma contre, qui peuple nous y est qu'on a là? Traduit de 3739, paragraphe 2, il dit, rien sur la terre ne trahit l'attente du Messie. Wow. Nulle part, on aperçoit le préparatif pour recevoir le prince de la vie. Tenez-moi, mais tristesse là. L'homme ni phrase, ça me triste. Il dit, stupéfait, le céleste messager est sur le point de remonter au ciel pour y porter la honteuse nouvelle. Mais ça qui vient de bonne histoire qu'on a. Quand il découvre un groupe de bergers passant la nuit à veiller sur le troupeau. Ça va t'en faire? Oh, gloire à Dieu. Il dit qu'on s'accueille un groupe de bergers, ça va, il t'a passé la nuit à quoi? À veiller sur leur troupeau. Donc, ça veut dire que t'es un groupe de monde, qui t'est apprêché message là, il t'a veillé sur leur troupeau, alors que, dans Jérusalem, en dans soi-disant cité sainte là, yo pas ta prêcher vérité présente là, mais t'es un groupe de bergers qui t'a fait travail là. Parce que dans la Bible, me fait sortir pour nous dans Matthieu 9 verset 36 que troupeau veut dire le peuple de Dieu. Donc ça veut dire que et berger signifie leader peuple là. Donc si berger signifie leader peuple là, donc ça veut dire que ces bergers yo t'a fait travail, t'a veillé sur leur troupeau. Joune jodi a, peuple bon Dieu, l'église Dieu, yo la gè tan kou se kòk gagè. Malheureusement, yo pa instruit yo encore. Yo pa fè étude encore avec moun yo. Moun yo blye message qui te abouti à l'établissement de cette dénomination, ou encore l'établissement de l'église du reste. Yo blye ça. Et on continue le parti en bleu, li di ceci. En contemplant la voûte étoilée, ça va faire, tu as contemplé la voûte étoilée, s'entretiennent des prophéties messianiques et soupirent après la venue du Rédempteur du monde. Évidemment, ces gens sont prêts à recevoir le message divin. Soudain, l'ange leur apparaît pour leur apporter la grande nouvelle. Oh, quel espoir! Ça veut dire que, bon Dieu fait qu'on est. Même gens, qui ont un groupe de monde, ou encore la majorité de ceux qui se déclarent être le peuple de Dieu, ils sont pas prêts pour recevoir nouvelle là, cette bonne nouvelle, l'évangile éternel, ensuite pour aller prêcher aux habitants de la terre. Eh bien, bon Dieu fait qu'on ait un petit groupe. Et ce petit groupe, il n'est pas en dedans le peuple là, non? Il est en dehors le peuple là. D'ailleurs, le peuple là, côté de à au berger qui côté de il n'est pas même en dedans la ville, côté de en dehors de là.
Avec c'est moun qui a prêché que même si l'exil non état déplorable, état de corruption, les leaders se corrompus, ils diraient là. Ils disent l'exil pas Babylone. Oui, mais qui ça qui l'exil bon Dieu a? Parce que l'exil bon Dieu a regardé les commandements de Dieu et il gagne le témoignage de Jésus. Ça veut dire que moun qui pas fait ça, qui pas prêché ça, il pas l'exil bon Dieu. Parce que l'église bon Dieu a les grandes caractéristiques. Ou même dans la vie, dans la relation que vous allez à, qui caractéristiques que vous avez promoté? Les caractéristiques du peuple de Dieu ou encore les caractéristiques de l'autre? Oh! Et c'est dans l'état ça. Et il faut me dire que, ça qui pire de la, mais ça qui tue maintenant, lorsqu'on va regarder ça, même gens, ça te fait un peu mal. Parce que le message a non seulement pas de confier aux prêtres, il pas de confier aux leaders religieux, et bien message ça également, littéral confier à de simples bergers, qui pas de gagner même formation académique que l'autre grand prêtre ça a été gagné. Et ça que tu as, ça pire là, message ça a été confirmé à des païens, au lieu qu'il te confié aux religieux. Oh frères et sœurs, ça arrête. Les wamages. Nous calons ça. Matthieu chapitre 2, frères et sœurs. Matthieu chapitre 2. Ce message qui était la venue du Christ, la naissance du Christ, était confié à des païens. On voit ça. Matthieu 2, qui ça dit? Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps de qui est du roi Hérode, voici des mages d'Orient. Qui est-ce qui sorti? D'Orient. Arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Comment on va être? Qui titre bal? Le roi des Juifs. Le roi des Juifs qui vient de naître. Quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et ça passe Hérode et tout Jérusalem. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et nous, est le contraire de cette exposée arrivée. À travers message Jésus a d'ailleurs en jeté dit ben je ça que message ça lorsque Bali peuple a réjoui mais lorsque Hérode le message ça sacrivé yo troublé ça veut dire que il va te préparer moun sa yo il va te préparer pour recevoir message ça Bible al prêcher nan ki coin jounen jodi a est-ce que la vie li en préparation pour que message ça pour al prêcher mes frères et sœurs oh ce message maintenant nous, au lieu que nous prêchions le message de la naissance de Jésus, il faut que nous prêchions le message de la seconde venue de Jésus. Mais, nous disons qu'il y a des événements qui vont précéder. Ces événements, c'est la mort de la bête qui vient pour arriver. Et qui correspond aussi, qui correspond également à la fin, ou encore les sept dernières plaies, et la fin du jugement investigatif qui a commencé depuis le 22 octobre 1844. À ce moment-là, nan ki kropye. Et soit nan kan moun ki a préparé pour y aller le cri de minuit, le grand cri d'Apocalypse 12, d'Apocalypse 18 plutôt, les versets 1 à 4 pour rele moun sorti dans Babylone ou bien parmi moun ka plutôt ka entre dans Babylone. Parce que nous c'est païens, yo té vini à Jérusalem, puis yo té capable pour connaissance de message là. Et bien c'est même chatou au dernier jour, on voit ça, on application ça au dernier jour, gen moun ki va sorti de là. Vin entrant dans l'église là pour capable connait message là pour y aller prêcher et en même temps que moun k'ap sorti en k'ap quitter l'église là pour y aller dehors et moun ça a perdu donc qui vous parler d'ailleurs ça commencé fait actuellement là déjà yes il commencé fait donc qui vous bien mes frères et sœurs est-ce que dans groupe moun k'ap sorti ou bien moun k'ap vinn plus fort en Jésus ou bien moun qui a renforcé foi yo et a relé des gens de Babylone pour venir dans peuple bon Dieu frères et sœurs. Oh. On nous avec ça nous dit dans Tragédie des siècles. Page 340 paragraphe 2. Tragédie des siècles page 340 paragraphe 2. Qui ça dit? Il dit ce ne fut pas seulement dans les montagnes de Juda parmi d'humbles bergers que les messagers célestes trouvèrent des âmes prêtes à accueillir la venue du Messie. Qui côté encore? Il y en eut aussi dans les pays païens, des philosophes orientaux, hommes sages, nobles et riches, qui étudiaient la nature,
avait découvert Dieu dans ses œuvres. Dans les écrits des Hébreux. Ça veut dire que moun sa yote kon étudier la Bible. Il va étudier malgré que c'était des philosophies, yote kon étudier la Bible aussi. Dans les écrits des Hébreux, ils avaient trouvé la prédication de l'astre qui sort de Jacob. C'est la prophétie de Balaam que nous rajoutons dans Nombre 24, verset 17. L'astre qui sort de Jacob. Et ils attendaient avec impatience la venue de celui qui devait être non seulement la consolation d'Israël, mais aussi une lumière pour éclairer les nations et le salut de tous les peuples. Et nous, quand il y a un texte, il y a écrit sur l'écran. Ça qu'on fait? Il dit, ils cherchaient la lumière. Et la lumière céleste illumina leur sentier. Pourquoi ça? Parce qu'on cherche les. Ça fait Bible dit que celui qui cherche trouve. Qui sont fait, je ne veux dire. Est-ce qu'on cherche la lumière? Ou bien, est-ce que vous êtes ou sont satisfait de conditions? Parce que si vous pas chercher, bon Dieu va arriver là. Faut chercher, frères et sœurs. On continue. Il dit, tandis que les sacrificateurs et les rabbins de Jérusalem dépositaires et interprètes attitrés, il bien dit attitrés. Ça veut dire, il y a des petits titres là. Attitrés de la vérité étaient plongés dans les ténèbres. Le ciel envoyait une étoile pour guider ces étrangers vers le lieu de naissance du roi nouveau-né. Et qui était soi, c'était Jésus. Donc, alors que, prêtre, qui t'a supposé à prêcher message ça, il va faire travail là, pour te révéler directement à ces hommes qui étaient à la recherche de la vérité. Je ne dis à Mabdou ça, Mabdou encore. Est-ce qu'on va chercher la vérité présente? Parce que soit on cherche la vérité présente, ou on joint des congrégations qui a prêché la vérité présente. Parce que moun, quand même, la mousse vérité, qui va bailler peuple à toute vérité, yo pas animé par l'esprit de Dieu et montre ça déjà. Satan ba Jésus mot sauver vérité, dit que reste à bouler. Les pharisiens, les sadducéens, yo ba le roi Hérode mot sauver vérité également. Et Matthieu chapitre 2, il dit ça. Et verset 4 surtout, lorsque Hérode troublé, il dit il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Et yo te baye prophétie de Michée, mais yo te manqué dans prophétie. Donc yo te animé par le même esprit que Satan gagné lorsque te baye Jésus Mosso dans Somme 91. Là dit la tête li en bas. Oh frères et sœurs, dans qui koye? Ou encore en bas bouche qui est ou chita? Est-ce que chita en bas bouche pour ka baye Mosso vérité ou encore en bas bouche moun qui a baye la vérité présente? Jean-Lier. Oh. On continue toujours. Parce que nous après ça, c'est la première étape là. La première étape du plan du salut. Et nous devons que Jésus, c'est par lui-même que nous joignons le salut. Donc nous supposons commencer avec la venue de Jésus, sa naissance. Première étape là, c'est la naissance de Jésus. Maintenant, on continue. Malheureusement nous voyons que sacrificateurs au lieu que c'est eux-mêmes qui constituent les sentinelles pour annoncer message là, au lieu ça malheureusement yo pas veillé. Jean on s'est supposé veiller. Et on voit ça dans page 17 page 341 paragraphe 1er, il dit les sentinelles postées sur les murs de Sion auraient dû être les premières à recevoir la nouvelle de la venue du Seigneur, à en proclamer l'imminence, à exhorter leurs auditeurs à s'y préparer. Mais, rêvant de paix et de sécurité, ils vivaient en douce quiétude, tandis que le peuple sommeillait dans ses péchés. Oh, dans qui goupouillez, mes frères et sœurs? Sous son leader, tandem là, dans qui goupouillez? On continue lui encore. Il dit, perçant les siècles du regard, Jésus avait vu son église semblable au figuier stérile, couvert d'un feuillage prétentieux, mais dépourvu de fruits, on y observait ostensiblement les formes de la religion, tandis que la vraie humilité, la conversion et la foi seule agréable à Dieu faisaient défaut. Au lieu des grâces de l'esprit,
on y manifestait l'orgueil, le formalisme, la propre justice, l'égoïsme et l'oppression. Donc, moun sa yo, frères et sœurs, yo pa prêché la vérité telle qu'elle est. Ça fait dans 2 Timothée 3, verset 5. Il dit, moun ki gen apparence de la piété, mais voyons ceux qui ont fait la force, ça dit pour faire, éloigne-toi de ces hommes-là. On continue le parti en rouge. Il dit, une église refroidie, fermez les yeux au signe des temps. Après ça, on ferme les yeux au signe des temps. Ça veut dire que va étudier la prophétie. Dieu ne l'avait pas abandonné. Oh Dieu. Dieu est amour vraiment. Dieu ne l'avait pas abandonné. Il n'avait pas manqué de fidélité envers elle. Mais elle s'était elle-même soustraite à son amour. Ça veut dire que bon Dieu n'a pas abandonné ou non? C'est eux-mêmes qui a abandonné bon Dieu plutôt. Bon Dieu l'a attendu nous. Mais est-ce que ou même vous voulez bon Dieu? Il n'avait pas manqué de fidélité envers elle. Mais elle s'aimait, mais c'était elle-même soustraite à quoi? À son amour. Ayant refusé de se soumettre aux conditions requises, aux conditions requises, elle n'avait point bénéficié des promesses de Dieu la concernant. Ça veut dire que, au lieu de ne pas bénéficier des promesses de bon Dieu, il soustrait de bon Dieu. Et ça qui est passé, il va bénéficier de promesses que bon Dieu a fait. Bon Dieu voulait bénir nous, je veux dire. Bon Dieu voulait nous un message spécial pour nous porter aux gens du dehors. Mais malheureusement, en plus, nous pas voulu remplir les conditions nécessaires. Conditions, c'est pour nous soumettre nous à bon Dieu. Soumettre nous à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Oh, pas bien dédié que nous avons le plan du salut. Nous devons être la première étape là, qui c'est la naissance de Jésus. Deuxième étape là maintenant, ça a été encore, mon Dieu, on va y songer. Le baptême de Jésus maintenant. Et ça me voulait montrer nous, c'est que dans le plan du salut de Dieu, bon Dieu lit pas vraiment utiliser les leaders officiels de l'époque. Lit utiliser plutôt moun qui pas en rapport avec les leaders officiels. Ah, ça me dit à son bagage folie. Bon Dieu pas utiliser les leaders officiels de l'époque pour porter message à peuple, message principal. Il utilisait plutôt des leaders qui pas en rapport avec les leaders officiels. Ça veut dire en pile moun lorsque Oshita en babouche de série de moun, peut-être bien dit pour la simple et bonne raison que c'est eux-mêmes qui leader attitré à que c'est leur officiel là. Si c'est ça seulement qui signe que c'est peuple bon Dieu, eh bien, ou banane. Parce que le Sanhédrin ou encore le système sacrificiel à cette époque, il était toujours, c'est lui-même qui, c'est bon Dieu qui t'a établi. Ça veut dire que ce sacrificateur, c'est bon Dieu qui t'a mis au même aussi. Mais malheureusement, il va faire le travail que bon Dieu t'a demandé pour faire. Et pour cette simple et bonne raison, eh bien, bon Dieu, lorsque tu vois un message, il n'est pas de vouer par lui-même. Il voyait à des gens qui n'ont aucun rapport avec le Sanhédrin. Et je ne veux dire, nous avons fait comparaison entre Sanhédrin et l'époque noire. Sanhédrin, à l'époque noire, la conférence générale, c'est le Sanhédrin c'est comme le Sanhédrin de l'époque de Jésus. Lorsque vous avez voué message de la naissance de Jésus au peuple d'Israël, il n'est pas voué par le Sanhédrin. Il est voué par le simple berger. Et également, le baptême de Jésus également, Jésus va passer par le Sanhédrin pour la recevoir baptême, pour remplir son ministère, pour qu'il reste passé par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste n'avait aucun rapport avec le Sanhédrin. Par contre, il était en dehors du Sanhédrin quand il a baptisé les gens, en dehors de la ville. Et les gens ont quitté Jérusalem pour y joindre Jean, pour y recevoir le baptême, parmi lesquels Jésus. Et qui est-ce qui exemple nous? Jésus. Donc, même si Jésus n'a pas utilisé ils ont conduit officiel pour qu'on puisse commencer le ministère là. Nous même tout également, pour nous capables de prêcher la vérité, prêcher la parole de Dieu, nous pas obligés à recevoir l'onction de la conférence générale. Ou encore la permission de la conférence générale. Non. Aussitôt que nous humilions-nous devant mon Dieu, nous passons dans la prière
et l'étude de la parole de Dieu. Et puis nous faire vœu à bon Dieu pour nous conformer nous à ce que nous appris là, bon Dieu qu'a utilisé nous. Et bon Dieu veut utiliser chaque monde. Nous chaque qui là, nous même qui en direct, bon Dieu voulait utiliser nous également. Mais il faut qu'on remplisse les conditions nécessaires. Et alors, il faut me dire ça. Il y a des gens qui pensent, pas penser peut-être nous dire ça, toute l'église qui parle en conférence, c'est bon l'église, non? Non, on ne va pas dire ça. Il faut que l'église conforme au principe de la parole de Dieu. Si l'église là, il sort, il parle en conférence, ou encore il parle en conférence, c'est à faire parler la régler. Non. Ou supposer sonder toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Soit elle pas normal, pas suivre. Soit elle pas normal, pas suivre. Mais soit elle suive les directives divines, soit elle a prêché la vérité présente et pour elle leader yo. Qui est-ce que me dit? Leader l'église là. Il a prêché vérité à Jean Lia et puis il a fait effort pour vivre telle qu'elle est écrite. L'église, ça c'est l'église voilà. L'église, ça c'est l'église là. Oh, à l'époque de Jésus, lorsque Jésus a reçu le baptême, il est allé côté Jean-Baptiste. Et il faut me dire nous ça que Jean-Baptiste, son père était un prêtre. Ça me dit Jean-Baptiste? Son père était un prêtre. Ça veut dire que Jean-Baptiste est supposé venir un prêtre tout. Le m'a dit que ça, frères et sœurs, il est vraiment choqué. Il me dit choqué dans le sens que ce n'est pas ça que je dois apprendre. Mais le rappel Bible avec un esprit d'élève, un esprit d'apprenti, pour me quitter bon Dieu enseigner la vérité, moi vraiment, je sens que moi t'es déçu. Ça arrive tout en plein nous là, nous t'es déçu. Nous t'es pris en déception. Même garantie nous que bon Dieu voulait ouvrir les yeux nous aujourd'hui. Dans Luc chapitre 2, il fait nous connaître, dans Luc chapitre 2, il fait nous connaître qui est. Et qui est-ce que Jean est Luc? Luc chapitre 1 plutôt. Luc 1, il fait nous connaître. Qui est-ce que Jean est? Jean était petit Zacharie. Et Zacharie, qui est-ce que Zacharie était un prêtre qui a confirmé ça? Luc 2, il dit dans verset 5. Luc 2, verset 5, il dit. Luc chapitre 1, le verset 5, il dit, du temps des rois, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Ça a été un sacrificateur. Nommé comment? Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça qui est passé, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Mais ensuite, Zacharie peut recevoir un message que le parrain y a une petite. Mais est-ce que Zacharie va douter? En tant que prêtre, vous faites sûr, il va douter? Avait dit que bon Dieu va te vraiment confier à Zacharie pour te porter message ça. Wow. Zacharie doutait et ça fait que le devine bébé. D'ailleurs, nous calons ça. Lorsque Zacharie reçoit un message, ça, ça qui est arrivé, monsieur m'a dit, qui signe que l'a joigne. Et en verset 13, il dit, ne crains point Zacharie, quand ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quand il sera grand devant le Seigneur, il va être principe qui Jean pourra délivrer, qui Jean pourra éduquer et élever Timounan. Maintenant, le verset 18, maintenant, qui va montrer le doute de Zacharie. Le doute de qui? De Zacharie, en tant que sacrificateur attitré. Verset 18, il dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Ça veut dire que Zacharie oubliait qui ça, bon Dieu, t'a fait pour Abraham et Sarah. Zacharie oublie ça. Ou encore, il agit de telle sorte que il ignore ça. Il ignore ça. Et il écrit dans Paul là, et ça fait que, Romains 15, verset 4, que tout ça qui est écrit d'avance, il écrit pour instruction nous. Lorsque nous appelons parole bon Dieu, lorsque nous, bon Dieu, faisons un bagage pour un monde dans la Bible là, son monde lié même j'avais.
Si tu fais pour lui, tu fais pour nous tous. Parce que Romains 10, verset 17 dit comme ça que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À ce moment, Zacharie pas confié à la parole de Dieu. Parce que ange bon Dieu fait son message, monsieur mon signe. Et ça fait Jésus te dit dans Matthieu 11, à qui sa génération sa pied. Il dit moi demande aussi l'autre signe que si prophète Jonas encore la parole de Dieu, Matthieu 12 plutôt, Matthieu 12. Il va bailler l'autre signe que parole qui te bail pour que si prophète Jonas. On continue lui qui sa ange l'a dit et Zacharie. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Le sacrificateur de l'Éternel, il a douté la parole de l'Éternel. Des hommes attitrés qui en doutent. Et bon Dieu va confier au message sa parole à la peuple. Bon Dieu obligé passer par des ignorants pour aller confier message à la peuple. Ça fait dans Luc chapitre 2 maintenant. L'ange du Seigneur, il est obligé de faire la parole à des bergers. Parce que il était essayé de faire à Zacharie, pas vrai? Il essayé de faire à Zacharie. Pour Zacharie, il a fait. Mais est-ce que Zacharie a parlé? Pourquoi il n'a pas parlé? Parce qu'il n'a pas cru à la parole de l'Éternel. Il y a des leaders de l'église, malheureusement, ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel. Un leader n'a pas même cru dans les écrits de Ellen White. Et aussi leader dans l'église adventiste. Ils ont dit c'est la Bible seulement qu'ils croient. Mais moi, qui sont toujours demandé, est-ce que ce n'est pas moi qui ai écrit? Même Jean, Jérémie, Esaïe, Jean-Baptiste et Paul, ils ont été inspirés. Bon, Dieu n'a pas inspiré le prophète testé. Et il parle de Deutéronome 13, verset 1 à 3, pour capable le test de vrai prophète qui s'allie. Depuis prophète, il n'est pas détourné de la loi de Dieu. C'est un vrai prophète, mes frères et sœurs. Ou encore une vraie prophétesse, comme Déborah. Oh, frères et sœurs, on continue. Pour nous, que le baptême de Jésus, n'est pas confié à des sacrificateurs, à des pharisiens, des scribes, des rabbins, mais t'es confié à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste pas devenu un prêtre pour être capable de préparer la venue de Jésus. Jean-Baptiste est allé dans le désert. On confirme ça, parce que la Bible a dit ça. Parlez pour nous, c'est moi qui vais ajouter des paroles. Luc chapitre 1er. Luc 1er verset 80. On nous lit ça. Luc 1er verset 80. Il dit, or l'enfant. On parle de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste fait une fête, ok? Jean-Baptiste fait une fête, il y a le nom. Et puis, dans verset 20, dans verset 80, Luc 1, verset 80, il dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Qui côté? Attendez, qui côté? Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il était dans le désert, mes frères et sœurs, Jean-Baptiste. Alors, que Jean-Baptiste est supposé venir en prêtre, parce que papa était un prêtre, mais il était devenu, il était allé dans les déserts pour te recevoir mission. Et c'est dans le désir de la culture pour recevoir formation. Et c'est ça qui fait un pile dans nous. Nous obligés d'être dans la chambre, nous. La caille pour nous étudier la Bible, parce que malheureusement, dans la congrégation que nous allons à, la Bible n'a pas enseigné les gens que nous enseigner là. Malheureusement. Oh! En continuation, nous arrivons dans la deuxième étape là. Deuxième étape là qui c'est le baptême. Et nous pourrons confirmer ça pour vous. Nous pourrons confirmer ça que malheureusement, à travers l'histoire sacrée, nous parlons de ça, malheureusement. Il n'y a pas à prêcher le message de Dieu. Il va prêcher le message de bon Dieu parce qu'il n'y a pas de parole de bon Dieu. Et bon Dieu va te confier le message de ça tout également. On nous dit ça, nous dit en tragédie des siècles. Tragédie des siècles. Page 340 et paragraphe 3. Tenez ça, dit. C'est application ça vient pour nous journée aujourd'hui. Parce que journée aujourd'hui, bon Dieu va confier message vérité présente là également à au leader officiel parce que il va croire dans la prophétie de Dieu. Tragédie des siècles page 340 paragraphe 3 ça dit c'est également à ceux qui l'attendent que Jésus-Christ apparaîtra sans péché une seconde fois pour leur salut. Le message du retour du sauveur
De même que la nouvelle de sa naissance ne fut pas confiée au qui? Au conducteur religieux. On nous lit ça encore, on lit encore. Frère, ça. Le message du retour du Sauveur, de même que la nouvelle de sa naissance ne fut pas confiée au conducteur religieux. Qui est ce conducteur religieux? Les pasteurs, les anciens, les diacres, les directeurs de département. Le message du retour de Jésus n'est pas confié à ces conducteurs, mes frères et sœurs. Bah, moi, je dis non. D'ailleurs, nous l'aimons. L'esprit de la prophétie. Et nous, on est dans la Bible. On lit pour qui ça? Pour qui ça, message n'a pas qu'à confier à eux-mêmes? Pour qui ça? Il dit, parti en bleu. Il dit, ces derniers, en parlant des conducteurs religieux, ces conducteurs religieux, ayant rompu leur communion avec Dieu et refusé la lumière céleste, n'étaient pas de ceux dont Paul parle en ces termes. Ça te dit, oh. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça veut dire que ces conducteurs religieux, alors qu'ils ont été professés, qu'ils étaient des enfants de lumière, ils ont gagné la Bible, ils ont marché dans les ténèbres. Ça veut dire que l'ampleur n'a pas de lumière, l'ampleur est éteinte. Je venais juste à me poser une question. En bas bouche, qui est-ce Ouchita? Est-ce qu'Ouchita en bas bouche de ce monde qui va prêcher la vérité présente? Ou encore Ouchita en bas bouche qui a prêché la vérité présente? Et nous disons qui c'est la vérité présente? Le sanctuaire, en connexion avec les 2300 soir et matin, les commandes de Dieu et la foi de Jésus, c'est sous sujet ça que messager bon Dieu supposé insister à lire sa première équipe à 63. Ou mettre à l'île. Parce que Satan l'a essayé pour infiltrer de fausses doctrines dans l'église là. Mais je dis à bon Dieu, il voulait que pour capable entrer en communion avec lui. Mais sous chita en bas bouche moun qui est pas en communion avec bon Dieu, il faut perdre communion avec bon Dieu même. Et bon Dieu va t'aimer ça. Oh, bon Dieu t'aimer pour capable souder nous à lui-même. Mais est-ce que nous-mêmes nous voulons souder à bon Dieu? Côté nous aller, est-ce que vous prêchez le message du retour de Dieu? Maintenant, nous avons deux étapes toujours. Deux étapes. Nous avons la naissance, nous avons le baptême. On a la troisième étape là. Et puis, je vais camper avec la troisième étape là. Troisième étape là, l'étape du plan du salut, c'est la crucifixion de Jésus. La quoi? La crucifixion de Jésus. Maintenant, formes ou bien, lorsque Jésus était venu pour le crucifier, Jésus également, même cabaye, même à ses disciples, on parle plus loin là, même à ses disciples, ou encore, même disciples, bon Dieu, pas de quoi dans la crucifixion de Jésus. Waouh! Alors, maintenant, Luc 18, frère, c'est sûr. Luc 18, du chapitre 18, verset 31 à 34 que nous allons lire avec. Luc 18, qui ça le dit? Verset 31, il dit: Jésus prit les 12 auprès de lui. 12. Si au 12, qui est sauté? Les disciples. Jésus prit les 12 auprès de lui et il leur dit, tenez ça à dire, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Donc Jésus référait à ses disciples, Jésus référait la parole prophétique à ses disciples. On regarde ça qui passait. Quand il sera connu à Jésus, il a parlé toujours, il a mis accent sur la parole prophétique là. Il dit, quand il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Verset 34 maintenant. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Même les disciples de Jésus, ils vont comprendre la prophétie. Et ils étaient en étroite relation avec Jésus. Jésus arrivait à la fin de son ministère. Il a expliqué aux disciples que l'île arrivait pour la mourir. Jean, ça a été dans la prophétie. Mais ils ne comprennent pas ça. Ça passait. Ça veut dire que les disciples, ils étaient en babouche. Ils étaient en babouche leader. Ou encore, ils étaient quoi dans la parole leader. Qui te abaille de fausses doctrines.
Malheureusement, frères et sœurs. Donc, je ne veux dire, dans qui croyez, est-ce que dans quand, moun qui croit prophétie à telle qu'elle est écrite et qui a cherché tout pour nous comprendre, ni, ou même parmi moun qui résigne nous, n'est pas de gens barrelay. Parce que sous résigne ou pas chercher, bon Dieu pas arrivé là ou même. Parce que le bien dit, berger, ça fait que bon, l'ange de Dieu, il est révélé à eux-mêmes, c'est parce que vous avez cherché. Vous avez cherché les prophéties. Et également les rois mages, ça fait que bon Dieu est révélé à eux-mêmes, c'est parce que vous avez cherché. Vous avez cherché les paroles prophétiques. Assoyez-vous, vous êtes capable d'agiter nous pour étudier la prophétie, mes frères et sœurs. La vérité présente. Si nous pas étudier, avec dit bon Dieu, nous pas chercher, nous n'avons pas révélé à nous-mêmes tout. Bon Dieu veut révéler à tout le monde. Mais si y a un monde qui a cherché, que l'a révélé finalement. Est-ce que bon Dieu a révélé là vous-même? Et ça crée là encore. Même lorsque Jésus parle à Jérusalem, lorsque Jésus parle à Jérusalem, même les leaders religieux ou encore le peuple, ils ne croient pas que Jésus t'a pas crucifié. Parce que si disciples ne croient pas ça, si disciples ne croient pas saisir parole ça que Jésus a mouru. Non, qui est un leader religieux ou même leader officiel ou lié. Et si leader pas quoi ça sur qu'a enseigné peuple là. Non, qui est un peuple là. Parce que je ne dis ça me veut montrer nous c'est que de même que disciples ont subi un désappointement même ça plutôt dans façon ça. Même Jean l'église adventiste a commencé par un désappointement, pas vrai? Le 22 octobre 1844, eh bien, tu as eu un grand désappointement qui t'est passé, ça t'est fait. Au lieu que Jésus t'est venu, Jean qui t'a prêché là, c'était le passage plutôt de Jésus du lieu saint au lieu très saint. Et Jésus va venir sous terre, tout le monde était désappointé. Eh bien, de même, lorsque Jésus t'a pas établi l'église chrétienne aussi, il était fait par un désappointement également. Pour qui ça? Parce que Jésus, il dit comme ça que Jean que parole là écrit, il faut qu'il monte à Jérusalem. Et lorsque Jésus t'a monté à Jérusalem, il était honoré, monsieur, comme moi. Mais grand a venu. Et Jésus t'a quitté sa fête. Alors que plus devant le poil mourir. Donc le peuple était désappointé. Jésus poil mourir. Jésus mourit. Il était mourir. Mais pas de connaître que c'était le début de l'église chrétienne, mes frères et sœurs. Donc ça montre nous que la Bible pas changé. La prophétie pas changé. Histoire, peuple, bon Dieu a. À travers les âges, il n'a pas changé. De même que disciples bon Dieu, ils étaient soumis à un grand désappointement avant l'établissement de l'église chrétienne. De même tout, avant que l'église du reste établie, t'es obligé de gagner un grand désappointement le 22 octobre 1844. On nous voit ça, frères et sœurs. Matthieu 18. Matthieu 21 plutôt. Matthieu 21. On nous voit. Lorsque tu as essayé de couronner Jésus, tu as honoré Jésus et. Yo te mande Jésus, yo te même mande moun yo pou fè silence. Matthieu 21, frères et sœurs. Tout d'abord, verset 1, il dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, pas bien, nous sommes dans Luc 18, côté que Jésus, il dit, il faut que parole la fête, Jean que pour faire écrit, il faut que Jésus monte à Jérusalem. Monte pour faire que ça pourra mourir. Mais lorsque Jésus a monté à Jérusalem, ça a été fait. Yo te honoré, monsieur Pito, pas vrai? Yo te honoré. Au lieu que nous te disons ça que Jésus va mourir, mais nous t'avons honoré. Est-ce que Jésus t'a empêché d'honorer? Non, pas empêché d'honorer. On confirme ça. Verset 1, il dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Ça veut dire que c'est Jésus qui veut une guillaume même pour aller prendre Anna. Ça veut dire que c'est Jésus qui t'a prêché. Jésus prêchait des appointements là, oui. Pour le peuple là, oui. Jésus, c'est Jésus qui t'a inspiré les disciples pour y aller, pour y aller présenter, pour aller entrer à Jérusalem comme. Et celui qui est honoré comme le roi des Juifs et ensuite pour la crucifier maintenant. Donc de même que c'est bon Dieu qui t'a voué disciple pour et t'a pas désappointé, de même tout c'est bon Dieu qui t'a voué William Miller malgré le désappointement que tu subis après ça.
La parole de Dieu va changer, frères et sœurs. Ensuite, on continue toujours. On va confirmer ça. On arrive dans verset 3. Maintenant, dans verset 8, il dit, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements, parce qu'on va rentrer, pas vrai? La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Il a acclamé Jésus. Mais qui ça qui va le faire plus devant? Jésus va le crucifier. C'était un désappointement. D'ailleurs, qu'on y a, ça me veut attirer attention à nous. Regardez ça qui est arrivé. Pendant que il t'a acclamé Jésus, comme ça, dans Jérusalem. Les leaders juifs, lorsqu'il a acclamé Jésus, il dit Jésus, fais-moi ça au silence, non? Il parlait trop. Est-ce que Jésus t'a dit comme ça, ok, silence, parce que je vais mourir, je vais avoir. Non? Et c'est ça que fait l'église adventiste, supposée prophétiser encore. Comme dans l'Apocalypse 10, il faut que tu prophétises encore, malgré le désappointement. On lit ça. On lit ça que Jésus, il n'a pas empêché que Mounio parle. On lit ça. Matthieu, chapitre 21, verset 10 maintenant, qui ça dit? Il dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Maintenant, on continue encore. On continue pour nous voir qui ça t'est passé. Il dit, et je demande pour le faire silence, pas vrai? Jésus entra dans le temple, il pue le temple. Verset 15 maintenant, il dit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple. Qu'est-ce que tu as pris dans le temple? Des enfants. Parce que à ce moment-là, je vais faire application avec ça là. Et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, verset 17, ils sortent de la ville pour aller à Béthanie où ils passent la nuit. Donc, est-ce que Jésus t'a empêché Mounio et acclamé comme étant le fils de David? Le fils du roi David? Non. Donc, ça veut dire que même j'ai été acclamé Jésus, alors que tu as mouru, tu as désappointé, de même que l'église du reste, à travers les âges, malgré le désappointement qu'ils ont subi, eh bien, ils sont supposés continuer à prophétiser. Parce que prophétie a réalisé quand même Jean-Claude. Et ses enfants, pendant que je t'appelais ça, ça rappelait les enfants réformateurs. Ça me dit rappeler? Les enfants réformateurs. Côté que Timoun Sao, le te qu'on a prêché le message de Dieu. Et c'est ça que fait. Nous être Timoun Yo, le te qu'on a acclamé Jésus. Ça fait parent, c'est pour nous capables d'instruire Timoun Yo. Parmi les textes dans Proverbe 22, verset 6, il dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, parent qui travaille, on va faire. Est-ce qu'on prépare Timoun Yo pour capable recevoir un message là, pour y aller prêcher? Ou m'a préparé pour yon ronde, pour yon pour kabe message là. Ou m'a travaillé pour faire. Et c'est ça, réformation, te comprenne. Lorsque yon te toujours préparé Timoun Yo, pour que le bouche par yon ferme, Timoun Yo parle. On regarde ça, l'histoire sacrée dans ce sens là. Tragique des siècles, page 396, paragraphe 2, il dit, parti en bleu, il dit, bien des pécheurs, lorsque y a prêché, il dit, bien des pécheurs, secouant leur torpeur, furent amenés à confesser leurs péchés et à en chercher le pardon au nom de Jésus-Christ. Mais le clergé de l'Église établi, qui est l'Église catholique, pas vrai? Le clergé de l'Église établi, hostile au mouvement, réussit à faire incarcérer plusieurs de ses propagateurs, parti en rouge maintenant, à plusieurs reprises, là où les héros du message furent réduits au silence. Ça, bon Dieu fait? Dieu jugea bon de le faire proclamer de façon miraculeuse. Pour qui? Par de petits enfants. N'étant pas majeurs, ils purent parler sans être inquiétés par la loi. Donc, Timoun, t'es qu'on a prêché. Je dis à Timoun, on va prêcher encore. Parents ont dit Timoun, trop petit, on va prêcher. Il n'y a pas enseigné encore parce qu'on dit trop petit. Oh, frères et sœurs. Ou même, est-ce qu'on a enseigné Timoun, pour prêcher le message là?
On continue toujours pour nous lire. Dans le prochain paragraphe que nous avons, Traité des siècles, page 337, paragraphe 2, il dit, ce ne furent pas les savants théologiens qui reçurent cette vérité et qui la firent entendre au monde. S'ils avaient été des sentinelles fidèles, sondant les Écritures avec prière, ils eussent connu l'heure de la nuit. Ils eussent appris par les prophéties les événements qui se préparaient à cause de leur indifférence. Le message fut confié à des hommes plus humbles. Ça veut dire de même que, frères et sœurs, de même que, bon Dieu, pas de cabaye message li, à moun qui pas de préparé yo. De même que, bon Dieu, pas de cabaye message li, au grand de l'époque, de même que message retour bon Dieu, bon, le message retour bon Dieu, plutôt, li pas cabaye, au grand de son peuple maintenant. Parce que, y a pas gen l'humilité pour apprendre de Jésus. Y a pas rempli les conditions de Luc, de Matthieu 11, verset 28 à 30. Et je dis, c'est pour capable de remplir conditions, ça yo. Pour nous capable de remplir conditions de Matthieu 11, verset 28 à 30. Parce que c'est comme ça, Jésus est capable d'enseigner. Et m'appli texte ça, que m'li dans Traité des siècles encore, page 396, li pas sur écran, côté que parle des enfants prédicateurs, li dit, le mouvement se dessina parmi les ouvriers, dans les humbles habitations dans lesquelles se réunissaient pour entendre l'avertissement. Ça dit, les enfants prédicateurs appartenaient eux-mêmes pour la plupart à des familles pauvres. Certains d'entre eux n'avaient pas plus de 10, attendez, oui, certains d'entre eux n'avaient pas plus de 6 à 8 ans. Pas plus de 6 à 8 ans. Bon, continue à lire encore. Il dit, et bien que leur vie témoigna de leur amour pour le Sauveur, ils n'étaient pas plus doués que les autres enfants de leur âge. Il va dire en ken et habileté spéciale, mais ont été laissés influencer par l'Esprit de Dieu. On confirme ça. Il dit, le ton de leur voix et leur attitude changeait subitement et ils faisaient entendre l'avertissement du jugement avec solennité et puissance. Il dit, dans les termes même de l'Écriture, il répétait, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Qui texte dit ça? Apocalypse 14, verset 6-7, frères et sœurs. Il dit, en censurant le péché, il condamnait aussi bien la mondanité et la tiédeur spirituelle que l'immortalité et le vice, et il pressait les auditeurs à fuir la colère à venir. Jodia, mon Dieu, comme message, livre bon Jodia. Bon Dieu, pour capable de humilité, pour capable humilier devant bon Dieu, pour bon Dieu capable enseigner, et bon Dieu voulait enseigner. Mais est-ce qu'on gagne l'humilité des bergers de l'époque de Jésus, des bergers au moment de la naissance de Jésus? Est-ce qu'on gagne l'humilité de Jean-Baptiste? Est-ce qu'on gagne l'humilité de ces enfants prédicateurs qui déconnent prêcher le message de Dieu et forcer les gens à fuir la colère de Dieu à venir? Bon Dieu voulait bon même message ça, parce que vous faites partie de l'église du reste. Moun qui en dirait que bon Dieu voulait bon même message ça pour aller prêcher, mais est-ce qu'on voulait humilier? Dans le camp là, je dis, nous avons trois étapes. Nous avons trois étapes dans le plan salut. Parmi nous, avons sept. Et bon Dieu, livré pour capable pour nous atteindre la perfection. Nous avons la naissance de Jésus. Nous avons également le baptême de Jésus. Parce que bon Dieu veut naître de nouveau. Pour l'on naître de nouveau converti, bon Dieu va baptiser. Et lorsqu'il est baptisé, on est capable d'apporter un message, bon Dieu, à aller maintenant. Frères et sœurs, est-ce qu'on remplit condition ça? Et c'est bon Dieu qui dit ça dans Marc chapitre 16. Marc 16, nous avons lu le texte. Dans Marc chapitre 16, pour nous promettre que bon Dieu nous, lorsque nous convertis. Marc chapitre 16, frères et sœurs, qui ça dit? Il dit que c'est pour lorsque vous convertis ou baptisé. Il dit comme ça que nous avons dit verset 16. Marc 16, verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que moun ki pa kwè, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que gen deux options. Soit ou kwè, ou baptisé et puis ou sauvé, c'est le salut, ou bien pas kwè et pour condamner. Mais bon Dieu veut sauver. Bon Dieu promet nous que l'utiliser de patience envers nous toutes pour que
s'il le faut, ou bien s'il possible, tout le monde va accepter. Mais malheureusement, tout le monde ne va pas accepter. Dans qui camp à pied, mon frère? Dans qui camp à pied, ma soeur? Et soit dans le monde qui va accepter, qui va baptiser, et qui pourra le prêcher ensuite. Pour remplir la mission de Matthieu 28, les versets 19 et 20, ou bien premier monde qui a ignoré ça, qui pas croire et puis qui a condamné. Pas oublier, Zacharie était un sacrificateur. Au commencement, chapitre là, mon Dieu déclare comme un homme juste. Et malheureusement, cet homme juste n'a pas cru à la parole du Seigneur. Il était devenu muet. Dans qui qu'on a pied? Est-ce qu'on a comme monde qui soit disant dans l'église, alors que il va croire la parole de mon Dieu, il va vivre selon lui? Bon Dieu veut sauver. Bon Dieu veut utiliser. Mais il faut qu'on remplisse les conditions qu'il faut. Il faut qu'on croit. Et l'on croit, la montrer dans la vie ou la voix à montrer qu'on croit. Ça fait jour de la même vie, donc à prier. Nous allons prier, bon Dieu, pour que lorsque l'on voit les paroles à nous-mêmes, pour nous croire, chant que l'écrit. Parce que bon Dieu, Noé, pas qu'aucun signe. Lorsque bon Dieu va dire Noé que la vie va tomber, la vie va jamais tomber avant ça. Bon Dieu, on dit Noé et puis le croit. Et nous supposer comme des Noé d'aujourd'hui. D'ailleurs, la parole du Seigneur fait qu'on est dans Luc 17. Même Jean que t'es dans temps Noé, c'est qu'on s'est la pierre à l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous supposer également exercer la foi de Noé, mes frères et sœurs. On prie, mon Dieu, pour nous foi ça. Pour que lorsque nous recevons la parole là, pour que nous capables comporter nous comme des humbles serviteurs de Dieu. Et pour utiliser nous pour prêcher. On prie, mon Dieu. Avant nous dans ce là dans moment ça nous vinn devant avec requête nous requête que nous gagne c'est capable mando la soumission nous voulons rejeter le moi frères et cher Seigneur parce que le moi il a fait que nous gagne orgueil nous pas voulons agir comme les pharisiens nous voulons agir comme d'humbles serviteurs de Dieu qui a reçu ce message là qui a converti et ensuite qui va le porter là aller bah monde qui dehors nous voulons suspendre vivre comme les gens du dehors nous voulons prendre remporter victoire sur le péché mais nous connaissons que sous pas habiter dans nous-mêmes ça va pas arriver et vous voulez prendre victoire sur le péché vous voulez faire un seul avec nous d'ailleurs c'est pour ça que devine sous terre ou faire un homme pour que nous capable croire que gain espoir pour nous remporter victoire sur le péché. Papa, nous sommes capables de bonne force, bonne courage. Et que salut ça, que petit tout Jésus te vienne nous sous terre, pour nous pas quitter et opportunité ça passer en vain. Mais plutôt, pour que nous capables de prendre avantage ça. Pour ne pas perdre la grâce de Dieu. Pour nous capables de remporter victoire sur tout ça qui n'est pas bon. Et comme ça, la vie n'est seule à vous. La vie n'est serviteur. On va venir bon Dieu nous. Et ensuite, on va venir des agents de Dieu pour porter nouvelle la porte au côté que nous passons. Fais-nous grâce, Seigneur. Et nous pour nous vivre dans la vérité présente. Et prêcher la vérité présente. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous allons camper, je vous dis, nous avons 7 étapes. Nous avons 3e étape, nous camper. Parce que, il y a des gens qui disent que nous, message sommes des gens longs. Donc nous raccourcissons, n'a fait effort. Priez pour nous. Et n'a fait effort. Nous avons 3 étapes et lorsque nous venons, nous continuons toujours au moins nous avons 4 autres étapes yo. Et parce que gagne pile bagage qui est très important pour que nous t'arrive révéler nous 7 étapes ça yo. Surtout de ce que de livre que nous avons lu frères et sœurs, livre ça yo, confuse l'esprit nous. Il va troubler dans nous, frères et sœurs, de ces versions bibliques qui vont faire nous lire. De ces versets terribles, terribles. Et pour nous, c'est vraiment que il y a des versions qui sont authentiques, que ça, il y a des versions qui sont altérées. Il y a dans les rues, mais nous dans les rues, frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons pas partager foi nous avec version ça. Surtout lorsque nous avons dit au monde que Jésus est dans le lieu saint, dans le très saint, il y a une version qui a mis dans les rues et qui a mis dans la honte. Il a fait nous honte devant nous parce que version va dire. Pour nous ça. Donc, on nous était ensemble dans la prière, dans la parole de Dieu. Et pas oublier,
On a réuni 4 fois par semaine jusqu'au 11 février. Et 4 fois par semaine jusqu'au 11 février. Dimanche, lundi, mercredi et vendredi à partir de 7h30. Donc, prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain à compter de 7h30 exactement. Et nous voulons annoncer déjà, et nous en décembre, nous annonçons que le 28 janvier, nous n'avons pas réuni. Il y a des circonstances et atténuantes qui causent ça. Et nous n'avons pas réuni. 28 janvier. Le dimanche 28 janvier, nous n'avons pas réuni. Mais après ça, dans lundi, nous avons commencé. Et gens que nous connaissons fonctionner. Donc, nous avons écrit ça, les gens qui sont en direct et les gens qui sont locaux et tout. Écrit ça dimanche 28 janvier. Il y a des circonstances atténuantes qui causent que nous n'avons pas réuni. Donc, nous avons fait ça depuis à l'avance. Mais maintenant, dimanche ça, à qu'on est de 7h30 exactement. Si vous voulez venir localement, vous pouvez venir à l'adresse 2532 Silver Star Road, Orlando, Florida, 32804. Et également, vous pouvez brancher sur YouTube également. YouTube, vous pouvez aller dans la chaîne là, live sur YouTube. Donc, vous pouvez brancher, vous pouvez voir nous. Et si vous avez une question, ou besoin d'études bibliques, capable contacter nous également. Al sur website nous www.messagerdevérité.org et puis aller dans fenêtre qui dit contact us. Contactez nous, mettez information nom, prénom, sur gain adresse ta nous vinn nous pour nous vinn prier avant, nous disponible pour ça sous pas trop loin, soit dans Central Florida et il est possible pour nous faire ça. Mais sous ka rele nous tout ou bien pour numéro téléphone nous ka rele tout pour nous prier dans téléphone tout. Nous ka étudier également et via ligne téléphonique. Donc on était en contact, on était sous de la et nous tout à Nata.